donc qui organise ce roman qui accosse ces internations de France de fromage. Aujourd'hui, on va vous faire visiter les coulisses. Alors, on revoit les images, comme vous citez, c'est à Rambouillet, à 50 km de Paris. Nous y sommes allés dans tout un fromage, cette fromagerie avec Nicolas Midaven. Vous voyez 128 fromages, 32 têtes de ciel qui s'affrontent. Il faut voter sur Facebook pour faire passer des tours au fromage, etc., etc. Aujourd'hui, donc, nous allons dans les coulisses avec Ludovic Bizot, l'organisateur du tournoi. Oui, donc là, on arrive dans l'arrière-boutique, l'espace de travail du magasin. Donc, on a des chambres froides, des chambres d'affinage où reposent les fromages. Donc là, on ne va pas les déranger, ils sont pour la plupart au repos. Donc, c'est ici qu'on suit le tournoi sur sa page Facebook. Hein. C'est un tournoi qui se passe entièrement sur Facebook, ce qui a le mérite d'offrir des places gratuites et en nombre illimité au public. Ça, c'est un avantage. Et voilà, l'ensemble du tableau ici, l'ensemble du tableau des matchs avec les résultats des matchs déjà joués qui sont reportés sur le tableau. Et voilà donc les internationaux de France de Roland Fiacco, c'est aussi à suivre sur l'équipe 21. On vous donnera quelques résultats, bien évidemment, demain, du deuxième tour qui débute demain. On va dire à l'équipe 21, la chaîne de tous les sports. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour le troisième, Raphaël Sebaoun. On va enchaîner.